Coucou tout le monde, cette vidéo c'est pas un tuto, c'est pas pour vous montrer comment faire un bracelet ou un dessin, je voulais simplement vous partager mon opinion sur deux traditions françaises que je trouve vraiment cruelles et barbares. La première d'entre elles c'est la corrida. J'ai vraiment du mal à comprendre qu'on puisse considérer comme un spectacle le fait de voir un taureau en train de se faire torturer et de voir sa mise à mort. Déjà il faut savoir qu'avant le début du spectacle, on va scier les cornes du taureau. Et c'est très douloureux pour lui, parce que la corne d'un taureau, c'est comme les dents pour nous. C'est comme si on allait vous forer dans la dent sans anesthésie. Donc quand le taureau arrive dans l'arène, il a déjà été bien mutilé. Et ensuite, on va le torturer pendant un peu plus d'une heure. Le picador, il va lui mettre une lance qui va lui planter ici au niveau du cou. Et il va essayer d'agrandir, là, de touiller dans cette plaie pour essayer de déchirer un ligament pour que le taureau baisse la tête et ne puisse plus la relever. Et ensuite, on va planter des sortes de harpons dans les côtés pour que cette plaie reste ouverte. Moi, personnellement, je trouve ça vraiment cruel. Ça me donne même des nausées d'y penser. Et il y a des gens qui considèrent ça comme un divertissement, qui vont voir ça pour s'amuser, peut-être même en famille, avec des enfants. Donc ça, c'est une pratique que je voudrais vraiment qu'il soit interdite. La corrida, elle, a été interdite en Catalogne en 2010 déjà. Et en France, ben, cette tradition perdure toujours et je ne comprends pas vraiment pourquoi. La deuxième tradition française dont je ne suis pas très fière, c'est le gavage des oies pour faire du foie gras. Donc vous savez certainement que le gavage, ça consiste à introduire un tube, souvent métallique, dans la gorge des oies. Et si elles bougent un petit peu, ça va leur créer des lésions là dans l'œsophage. Et c'est très douloureux pour elles. Ces lésions, elles peuvent s'infecter. Et c'est pour ça aussi que le taux de mortalité dans les élevages où il y a du gavage est 10 à 20 fois supérieur au taux de mortalité dans un élevage normal. Et donc, le foie va devenir 10 fois plus gros qu'un foie normal. C'est une maladie qui s'appelle une stéatose hépatique. Donc, quand vous mangez du foie gras, vous mangez un foie malade. Et cette maladie va avoir des conséquences sur l'oie. Par exemple, elle va avoir du mal à respirer, elle va avoir du mal à réguler sa température corporelle, et elle va aussi avoir du mal à se déplacer. Donc c'est vraiment des douleurs qu'on inflige à l'animal et qui sont vraiment inutiles. Juste pour un petit moment de plaisir, il faut vraiment peser le pour et le contre. Alors dans beaucoup de pays européens, il y a une loi qui dit qu'il est interdit de nourrir un animal de force, sauf si c'est pour lui donner un médicament ou si c'est pour des raisons de santé. Vous pouvez voir sur cette carte les pays où le gavage est interdit, et vous voyez qu'en France, pour l'instant, ben, c'est toujours autorisé. Voilà pour cette vidéo qui est assez courte, mais je me disais que comme les animaux peuvent pas parler, ils ne peuvent pas se défendre, c'était important d'échanger un peu ces informations avec vous, parce que peut-être que vous ne saviez pas tout ça. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et à bientôt !